Salut les gens, c'est Gecko, comment allez-vous? Moi, ça va super bien. Et donc aujourd'hui, on se retrouve sur GTA V pour un tuto localisation. Donc dans ce tuto, on va trouver ensemble le pied de biche. Il y a trois emplacements, enfin moi personnellement, je connais trois emplacements. La botte de baseball a un emplacement et les cocktails Molotov a un emplacement. Donc on commence de suite avec le premier emplacement du pied de biche. Donc c'est pile poil, enfin presque pile poil là où je suis. Donc pour vous repérer au niveau de l'escalier et du deuxième pilier de béton sur la gauche. Et le pied de biche est juste en dessous. Donc voilà, on peut le voir en surbrillance. Hop, c'est bon, lui il est dans la poche. Ensuite, son deuxième emplacement qui est lui sur la terre ferme. Hein. Dans cette cabine, donc cette cabine qui se situe au milieu d'un nœud d'autoroute. Donc c'est en dessous des ouais, autoroutes. Hein. Pile poil là, pardon. Donc comme je vous l'ai dit, dans cette cabine. Donc là, moi je peux pas le prendre hein, parce que je l'ai déjà sur moi. C'est normal. Ensuite, son troisième emplacement qui lui se situe... tout au nord-ouest, enfin même tout au nord hein, de la map, un peu à l'ouest, mais vraiment tout au nord. Donc ici, comme on peut le voir, hein, c'est vraiment tout en haut de la map. Et donc vous avez votre pied de biche qui se trouve entre le tas de palettes et la benne. Donc ça c'était pour les trois emplacements des pieds de biche, donc ce que moi je connais. Et maintenant on va passer à la batte de baseball. Donc moi je ne connais qu'un emplacement, c'est au niveau du restaurant Le Hookies, donc restaurant propriété de Michael. Donc à cet endroit, hein, à l'ouest de la map, le long de l'autoroute. Une fois que vous y êtes, vous allez dans les toilettes hein, au fond du parking là, et la batte de baseball se trouve au sol. Donc c'est pareil, je l'ai déjà sur moi, donc là je ne peux pas la prendre. Et ensuite, notre troisième objet est les cocktails Molotov. Donc cocktail Molotov qui se trouve tout près du restaurant Le Hookies. Donc je vais vous refaire montrer sur la map pour bien être sûr. Hein. Donc le restaurant est juste là. Et on est un peu plus au sud en fait, le long de l'autoroute. Donc le long de la route, il y a un petit pont, pas forcément flagrant, mais il est bien là. Donc vous allez passer sous ce pont et vous allez trouver les cocktails Molotov au sol. Donc si je me trompe pas, ils ne respawnent pas aussitôt. C'est pas comme même si on switch de personnage. Donc on les prend, on a 5 cocktails dans l'inventaire, mais il faut revenir un peu plus tard si on en veut plus quoi. Donc voilà les gens, moi j'espère que ce tuto vous aura plu hein, et vous sera utile. Et sur ce, je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les gens! Eh oui, c'est encore moi les gens, cette vidéo vous a plu? N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner.